Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission qui cartonnait, touche pas à mon poste. L'émission était présentée par Cyril Hanouna, un ancien représentant qui faisait du porte-à-porte pour vendre du tissu. Regardez mon petit beauté comme c'est magnifique, c'est comme c'est doux. Si vous voulez, je vous laisse un échantillon, ça fait plaisir. Puis il s'est reconverti en animateur télé, mais avec beaucoup moins de tissu. Regardez ma petite beauté comme c'est magnifique, touchez comme c'est dur. Comme ça marchait moyen, Cyril a remis du tissu et maintenant il fait attention à ce qu'il porte. Cyril antenne dans 10, 9, 8, 7. Cyril est omniprésent à la télé avec plus de 35 heures d'antenne par semaine. Du coup, on se demande quand il a le temps de travailler. Pour son émission, Cyril s'est entouré d'une bande de chroniqueurs permanents. Et permanentée pour certaines, comme Valérie Benaïm. Il est au courant, Patoche, de cette nouvelle coupe, Patoche ? Mais ça ne vous regarde pas. Il est où, Patoche ? Patoche ! Ça, c'était chez les filles. Chez les mecs, il y a Enora Malagré. J'ai jamais vu une émission aussi vulgaire. C'est pernicieux, c'est un scandale. Il faut que cette émission s'arrête. Putain, bordel, c'est vulgaire. Vas-y, putain. C'est le mec le plus féministe de la bande. C'est putassier, c'est vulgaire. Non mais t'as vu l'image des meufs dans cette émission? Sérieux, on est comme ça, nous. Je peux plus voir ce genre d'émission. Je peux plus voir personne. Qu'est-ce qui se passe? Lumière. Juste à côté de lui, il y a l'humoriste Jean-Luc Lemoyne. Tu as mis à cette émission, mais t'es pas sérieux. T'es pas sérieux, t'es à côté de la queue plat, mon gars. T'es à côté de la queue plat. Animer, c'est un métier. C'est quoi ce bouffon, là? Avec ses costumes en carton et son décor en lichen. Mais je m'en fous, moi. Elle vient ici, je la fissure. Je vais lui niquer sa mère. Quoi? Pourquoi il tombe, lui? Il y a aussi Christophe Carrière, le seul spécialiste cinéma de l'émission. Il n'y a pas un scénario, les dialogues, n'en parlons même pas. Puis alors les comédiens, c'est extrêmement mal filmé. Il n'y a pas d'esthétisme. Mais il parle que de télé. Vous parlez de quel film, là, Christophe? Les anges de la télé-réalité. Toute la télé que je regarde, je ne regarde plus jamais au cinéma. En face, il y a Jean-Michel Maire. Tub, Michon, Fion, cul, Fion, Fion, Nibar, le syndrome du Gilles de la Tourette. Je mate, Fion. Et à côté de lui, il y a Thierry Moreau. Cyril, tu sors. Et puis il y a Gérard Louvain et sa longue carrière. Moi j'ai commencé avec Clo-Clo, j'étais son homme à tout faire. J'ai fait les travaux chez lui. Le courant n'est pas passé donc on a arrêté. Mais... Ah tu me parles de Foucault, il me doit tout. La nuit je l'ai découvert, il était sur le trottoir, je vais offrir un coussin, il a dormi chez moi. Bon, Belmar, c'était mon stagiaire. Mais Lio, je l'ai tatoué. Ah, j'étais dans Casimir pendant les deux premières années. C'est moi. Télétobis, c'est moi. Après je suis passé à Footix. La première mire. Elle était en carton, c'est moi qui la tenais. C'est... Il est fort, hein. Tout le monde lui doit quelque chose. On se demande qui l'a aidé lui dans sa carrière. Je lui dois tout quand même. Hein. Sans lui, j'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite. Qui ça? Mon cul. Puis dans l'émission, il y a des nouvelles recrues, comme Philippe Lucas et Jérémy Ferrari, l'humoriste qui atteint immédiatement le point Godwin dans tous ses sketchs en prenant l'accent d'une vieille bourgeoise. Il a raison, un de gens. Autant je trouve que les homosexuels sont contre nature, comme les handicapés, autant je pense que les noirs sont des sous-hommes. Ils ont tous le sida, par ailleurs. Comme par hasard. Les juifs. N'en touche pas à mon poste, ça critique, ça débat, ça polémique et surtout ça clash. Mais t'es complètement à côté de la queue plat, mon chat. Ne te gargarise pas de y'a ça. Pas de problème. C'est un super programme, c'est produit par TF1. Non, ça peut c'est mal être... produit, non. Mais ça rate. C'est donc mal c'est produit. Forcément nul. Franchement, ah. Vous prenez les femmes pour qui? Non, pas tous en même temps, pas tous en même temps. Je crois que les femmes, elles sont comme ça. T'as déjà vu ça? Non, mais alors, tu sers des gros plans sur les uns. Vas-y, fais un tour sur toi-même, renifle ton cul, vas-y. Non, non, faut jamais parler. Si je peux parler, on me l'a jamais m'exprimer. Sauf Cyril Hanouna, qui est toujours gentil avec tout le monde. J'aime pas le monsieur, je vous le dis. On dit la vérité vous ou pas? La vérité. Je l'aime bien, c'est un gros connard, mais je l'aime bien. Non, c'est quoi cette émission? Hein, les décors, ils sont en carton. Tu crois c'est normal, les décors en carton? Bon, je peux parler, là? Je peux jamais parler. La force de Touche pas à mon poste, c'est qu'on a l'impression de connaître la bande comme si c'était nos potes avec qui on discuterait au bistrot de ce qu'on a vu la veille à la télé. D'ailleurs, c'est un peu le cas. Hein. Moi, au bistrot, en bas de chez moi, c'est exactement les mêmes. Tu crois que j'ai le temps de regarder la télé? Est-ce qu'à la télé, ça va être 14 du mal pour poser le poisson? Ah bah j'ai démonté, ouais, j'ai démonté. C'est putassier pernicieux, ça, la télé. Bah bien sûr. Je mate. Top, top. Moi, j'ai fait le tour du monde. Mais t'es un mytho, c'est tout. Puis c'est tout, t'es un mytho. Non, tu sors. Oui. Allons, ferme. Tu vas pas fermer, t'as déjà fermé hier. Allez, vous sortez, vous sortez. Ouais, c'est... ouais, n'importe quoi. Comme dit toujours Cyril, hein, c'est que de la télé, finalement. Donc du coup, je vais aller les rejoindre. Au bistrot, c'était ça, touche pas à mon poste. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, il y en a plein d'autres à découvrir, et vous allez forcément trouver ça que vous... Ah non. Non, c'est pas ça du tout. La vieille bourgeoise. C'est pas toi, c'est Laurence. François... Non, tu... Tu t'es... Non, faut pas du tout que tu m'en veux. Comment? Non, vas-y, bah, je vais...